wait till you would like a root chicken. Sur des images, mais coupe rien au montage. À mon âge, j'ai déjà croisé tellement de visages pour qui la vie avait pris un virage. Ouais, ça me met la rage de voir que ça n'est pas un mirage. Prise de conscience en grandissant, le monde est pour une élite d'un plat appétissant. Aseptisant une bonne partie de ses habitants. Heureusement qu'il existe des dissidents qui résistent face à des gens décidant en dessinant les traits d'un futur qui pour nous sera sans attrait. On vit sur une planète de fous, certains même pour rester debout sont obligés d'ingurgiter des galettes de boue. Des individus corrompus qui sont prêts à tout, et surtout quand il s'agit de faire ma passe sur nos atouts. L'esclavage a été aboli et remplacé par des impolis. Aujourd'hui c'est l'exploitation, méprise des populations. Tout ça parce que la tentation d'amasser tant d'actions est bien plus forte que la raison. Y'a trop de douleur et pas assez de compassion. Il est temps de mettre de la couleur dans le cœur des populations. Gens excellent dans l'art de la manipulation. Certaines paroles sont belles mais pas quand tu grattes le fond. Des discours efficaces afin de captiver les masses. L'un des recours à l'impasse c'est de vite faire tomber les masses. On nous cache la vérité puis on nous cache notre liberté. Ensuite on crache sur notre fierté, tout ça en toute impunité. En somme d'un plus d'idées pour que les hommes vivent dans l'unité. Même la pérennité de notre terre est en danger. Cela m'apostrophe de voir autant de catastrophes s'abattre sur les pays du sud où l'existence est déjà rude. Tout ça parce que l'on est dans un système de surconsommation et incapable de gérer ce qui en découle en pollution. On a trop de besoins par rapport à ceux dont on dispose. Il est temps que l'on dispose à l'accumulation de biens. Le pire c'est qu'on se déchire quand il s'agit de réfléchir. Mais lorsque l'heure est venue d'agir, y'a personne pour rectifier le tir. Y'a trop de douleur et pas assez de compassion. Il est temps de mettre de la couleur dans le cœur des populations. Est lente et quand on tente de mettre fin à l'attente, il faut pouvoir faire face à une répression sanglante. Abus d'autorité exercé par les forces de l'ordre. Climat social détérioré quand il le bombe, le torse et morde. On assiste à un tas de promesses qui ne sont jamais tenues. La liste des faiblesses de l'État ressemble à une déconvenue. Le premier convenu pourrait voir qu'on nous tient en laisse. Mais qu'il n'en plaise à ceux qui se taisent, je ne ferai rien pour que le ton baisse. Ceux qui nous dominent nous mettent des coups dans l'abdomen. Moi j'ai opté pour la mine, je l'ai adopté, c'est mon domaine. Et tout ce qu'elle m'amène est devenu considérable. Tous les jours de la semaine, je reste considéré que je rappe. Le monde qu'ils bâtissent, profondément antipathique, c'est les citoyens qui en pâtissent. Et moi je trouve pas ça très éthique. Messieurs les politiques, vous n'êtes pas aux manettes d'un jeu. Pas besoin de faire polytechnique pour se rendre compte de l'enjeu. Y'a trop de douleur et pas assez de compassion. Il est temps de mettre de la couleur dans le cœur des populations.